Au nord de la Norvège, l'île de Magueroy est depuis des siècles un lieu de migration estivale pour les Lapons. Établis dans le nord de l'Europe depuis environ 10 000 ans, les Sameux, autre nom du peuple Lapon, ont développé un mode de vie basé sur l'élevage des rennes et la transhumance. Comme chaque année, Nils arrive ici vers la fin du mois d'avril avec son troupeau. Il plante alors son lavo, la tente traditionnelle, pour l'été. Depuis quelques années, Nils partage son activité entre l'élevage des rennes et la vente de produits artisanaux aux touristes se rendant au Cap Nord. Les rennes vivent de façon quasi sauvage, se nourrissant du lichen qui pousse sur les vastes plateaux du Grand Nord. Élevées pour leur viande et leur fourrure, pour leur peau, avec laquelle ils confectionnent leurs pantalons et leurs chaussures, les rennes constituent depuis toujours la principale richesse des Lapons. Demandez à Nils combien de rennes il possède et il se met aussitôt en colère. C'est son trésor. Et un trésor demeure secret.